Derrière les grilles de ce hara, ses visiteurs vont découvrir un savoir-faire unique. L'outil de découpe est ici. Et quand on la met en marche... Quand on la met en marche, cette machine découpe des millions de paillettes. Depuis plus de 100 ans, la société Langlois-Martin fait le bonheur des brodeurs parisiens et de la haute couture grâce à des outils d'un autre temps, aujourd'hui d'une valeur inestimable. Et ce patrimoine industriel unique que tout le monde, enfin, que le monde entier nous envie, que nos concurrents nous envient, avec cette collection de plus de 5000 outils qu'on ne trouve nulle part ailleurs et qui sert à alimenter encore tous les brodeurs français. 5000 outils et 1600 couleurs. Il faut savoir qu'elles sont à 85% en cellulose, c'est-à-dire à base de bois. Exceptionnellement, Pascal ouvre la porte de son laboratoire. C'est ici qu'il tente d'assouvir les moindres désirs des grands couturiers en recherchant le coloris parfait. Ils nous amènent ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont eu l'idée et on reproduit. Un bout de liège, un bout de feuille, un bout de... Des paillettes en acétate de cellulose, plus que jamais à la mode. En fait, on fait une paillette écolo depuis 100 ans, et sans le savoir, parce qu'elle répond à tous les critères qu'aujourd'hui tout le monde recherche, d'écologie, de durabilité. On est en France avec des produits français ou européens. Elle est faite à la main principalement, donc il n'y avait aucune raison qu'on ne fasse pas partager tout ça aux gens. Des visiteurs ravis de leur découverte. On ne savait pas du tout... comment c'était fait, et c'est vrai que c'est quelque chose qui a toujours un super rendu. On pense toujours aux beaux vêtements, aux revues et tout ça. Ces journées du patrimoine ne sont qu'un début. La manufacture Langlois-Martin travaille très sérieusement à l'ouverture d'un musée.